Bonjour, donc je vais vous enseigner la danse qui s'appelle Sweet Island. Donc une danse, c'est une petite intermédiaire. Elle est donc de Gary O'Reilly. Elle a 4 murs, 64 temps et un tag au troisième mur. On y va tranquillement, les pas, les comptes et ensuite en musique. Alors, on est donc en appui sur le pied gauche. On va crosser pied droit devant pied gauche et une pause. Et on enchaîne avec et cross, chassé, side rock sur la gauche. Et un behind side cross derrière, côté croisé devant. Et là, la même chose qu'on va faire de l'autre côté, pied droit à droite et on cross gauche, une pause. Et de nouveau, pied droit à droite, un cross chassé, side rock sur la droite. Et là, on va croiser derrière, pied gauche à gauche, et là, on finit pied droit devant. C'est un behind side step. Rock step avant gauche maintenant. On va faire un triple full turn, on tourne sur la gauche. Triple tour complet. Vous pouvez très bien faire rock step avant gauche et un triple sur place. Et ensuite, on va faire rock step avant droite et un demi-tour sur la droite et on va marcher pied droite, pied gauche. Donc là, vous finissez donc la séquence en appui sur le pied gauche. Out, out. Donc on va reculer, on ouvre droite, on ouvre gauche. On va faire un back, recul pied droite. Et ensuite, on va faire un back rock du pied gauche, rock step arrière. Et là, on va faire un quart de tour sur la droite, donc step quart de tour, et on enchaîne avec un cross chassé. Maintenant, il y a des séquences donc de switch de pointe et talon. Donc, ça veut dire on va pointer à droite, il y a une pause. On ramène le pied droit, on fait talon gauche et talon droite. On ramène pied droite, pointe gauche. Et là, on ramène pied gauche et on fait talon droite et talon gauche. Et ensuite, on va ramener le pied gauche, on va faire un rock step avant droite, un triple demi-tour sur la droite, et un step quart de tour encore sur la droite, et un cross chassé. On refait les switches également pointe-talon maintenant. Pointé à droite, on ramène talon gauche et talon droite. Pointé à gauche, et on ramène talon droite et talon gauche. On ramène le pied gauche, rock step avant droite, triple demi-tour sur la droite, et on fait un step quart de tour sur la droite. Et là, la fin de la danse, c'est cross du pied gauche et un side rock sur la droite. Donc, on remet le poids à gauche et on est prêt à recommencer notre deuxième mur. Donc, contrairement à la première fois, on faisait un cross chassé. Là, c'est un cross side rock. Voilà, donc on a fait la danse en entier. On va la faire avec les comptes. Et on y va. 7, 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on est prêt à recommencer. Voilà. Donc là, on commencerait donc le deuxième mur. Après, on enchaîne avec le troisième mur. Donc le troisième mur, ça veut dire que quand vous allez faire la séquence, c'est les séquences 7 et 8 où la musique elle va vraiment vraiment ralentir. Et là vous allez vous retrouver à faire pointe, étalon, étalon. Il faudra vraiment suivre le rythme de la musique qui a beaucoup 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 baissé. Et ensuite donc on va se retrouver sur le mur de 9 heures. Donc on va finir le troisième mur à 9 heures. Et là, donc, quand vous allez finir cross side rock, on va faire un tag. Donc, un rocking chair du pied droit, rock step avant, rock step arrière. Et on va tourner quatre pas en tournant sur la droite, droite, gauche, droite, gauche. Et là, on est prêt à recommencer notre danse. Donc, le tag, je vais vous le compter. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et cross chassé et ça repart. Donc voilà, on n'a plus qu'à pratiquer en musique.